Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crousse pour une dernière nouvelle de Jack London, L'Apostat. Si tu ne te lèves pas, Johnny, t'auras rien à manger. La menace n'eut aucun effet sur le garçon. Il s'accrochait obstinément à son sommeil, se cramponnant à l'oubli comme un rêveur se cramponne à son rêve. Il serra mollement les poings et asséna dans le vide des coups faibles et spasmodiques. Ils étaient destinés à sa mère, mais coutumière de cette scène, elle n'eut aucun mal à les éviter tandis qu'elle le secouait rudement par l'épaule. « Fiche-moi la paix !» venu des profondeurs du sommeil. Ce cri, d'abord sourd, s'amplifia rapidement comme un ululement hostile et farouche, puis se perdit en un gémissement indistinct. C'était la plainte bestiale d'une âme tourmentée, emplie d'une incontestable détresse. Mais sa mère n'y prêta aucune attention. C'était une femme au regard triste et aux traits tirés, et elle s'était accoutumée à cette tâche, répétée tous les matins de sa vie. Elle tira sur le drap et la couverture pour le découvrir. Mais le garçon, cessant ses mouvements, s'y accrocha désespérément, recroquevillé au bout du matelas dans les couvertures en boule. Elle essaya de faire basculer cette masse informe hors du lit, mais le garçon résista. Elle ne se découragea pas pour autant. Plus lourde et plus forte que son fils, elle parvint à lui arracher des mains la couverture et le drap. Et il faillit les suivre au sol, instinctivement, pour se protéger de la morsure du froid qui régnait dans la pièce. On aurait pu craindre, à le voir osciller ainsi, qu'il ne tombât au sol la tête la première. Mais reprenant peu à peu conscience, il se redressa et resta en équilibre précaire pendant un moment au bord du lit. Puis il posa les pieds à terre et se leva enfin. À cet instant, sa mère lui saisit les épaules et le secoua comme un prunier. Il se remit à se débattre et à jouer des poings, mais cette fois avec plus de vigueur et de détermination. Puis il ouvrit les yeux. Elle le lâcha. Il était réveillé. « Bon, d'accord, » marmonna-t-il. Elle ramassa la lampe et sortit précipitamment de la pièce, le laissant dans le noir. « Tu seras puni !» le menaça-t-elle de la cuisine. L'obscurité ne le gênait en rien. Après avoir enfilé ses vêtements, il passa dans la cuisine. Sa démarche était extrêmement lourde pour un garçon aussi malingre. Il traînait des pieds comme si ses jambes décharnées étaient en plomb. Il plaça une chaise toute branlante près de la table et s'y assit. « Johnny !» aboya sa mère. Il se leva vivement et alla, sans dire un mot, à l'évier, qui était crasseux et graisseux. Une odeur nauséabonde émanait de l'orifice d'évacuation. Le garçon n'y prêta aucune attention. Pour lui, la puanteur d'un évier était dans l'ordre des choses, de même qu'il était tout naturel que le savon fût noirci par l'eau de vaisselle et difficile à faire mousser. Et d'ailleurs, il n'insista guère pour le faire mousser. Quelques éclaboussures d'eau froide du robinet vinrent compléter cette toilette sommaire. Il ne se lava pas les dents. En fait, il n'avait jamais vu de brosse à dents. Il ignorait même qu'il pût exister en ce monde des êtres poussant l'extravagance jusqu'à se brosser les dents. « Tu pourrais te laver une fois par jour sans que j'aie besoin de te le dire !» ronchonna sa mère. Tout en maintenant le couvercle cassé de la cafetière, elle remplit deux tasses de café. Il se garda de toute réponse car cette querelle était récurrente. La toilette matinale était l'unique sujet de discorde sur lequel sa mère se montrait inflexible. Il était obligé de se laver la figure au moins une fois par jour. Il se sécha le visage avec une serviette sale et graisseuse, humide et effilochée, qui laissa sur ses joues des brins de coton crasseux. « Si seulement on habitait moins loin, » dit-elle en s'asseyant. « Je tâche de faire de mon mieux, tu le sais bien, mais en vivant ici, on économise $1 sur le loyer, et puis c'est plus grand. Tu le sais bien, ça aussi. » Il l'écoutait d'une oreille distraite. Il l'avait déjà entendu tant de fois répéter ses plaintes. L'étendue de ses pensées était limitée. Elle ressassait sans cesse le malheur qu'ils avaient de vivre si loin de l'usine. « Et $1, ça fait plus de bouffe !» déclara-t-il sentencieusement. « Je préfère marcher plus et bouffer plus !» Il mangea en hâte, faisant glisser chaque bouchée de pain à peine mastiquée en l'arrosant d'une gorgée de café.
c'est ainsi qu'il nommait ce breuvage chaud et trouble. Je n'y croyais que c'était du café, et le trouvais même excellent. C'était l'une de ses dernières illusions. Il n'avait jamais bu de véritable café. Un petit morceau de porc froid accompagnait sa part de pain. La mère remplit à nouveau de café la tasse de Johnny. En avalant la dernière bouchée de pain, il la regarda comme s'il espérait avoir du rabiot. Elle perçut son regard avide. « Allons, Johnny, sois pas goinfre, dit-elle. T'as eu ta part, tes frères et sœurs sont plus petits que toi. » Il ne répliqua pas à cette rebuffade. Il était plutôt taciturne. Il cessa de jeter ce regard affamé à sa mère. Il ne se plaignait jamais et faisait preuve d'une résignation aussi effroyable que l'école où elle lui avait été inculquée. Il but une dernière gorgée de café, s'essuya la bouche du revers de la main et fit mine de se lever. « Attends une seconde » s'empressa-t-elle de dire. « Je vais te couper une autre tranche, mais plus fine. » Elle agit ensuite avec une dextérité qui tenait de la prestidigitation. Bon, elle coupa ostensiblement une tranche de pain, mais la rangea aussitôt en même temps que la miche dans la panetière et déposa furtivement une de ses propres tranches dans l'assiette de Johnny. Mais elle croyait avoir trompé. Mais ce tour de passe-passe ne lui avait pas échappé. Il n'en prit pas moins la tranche de pain sans l'ombre d'un scrupule. Il était persuadé que sa mère, dont l'état maladif était chronique, n'avait jamais grand appétit. Elle remarqua qu'il avait du mal à mâcher le pain, trop sec, et vida alors sa propre tasse de café dans celle de Johnny. « Le café me barbouille le ventre ce matin, » expliqua-t-elle. Un coup de sifflet prolongé et strident résonna au loin, et ils se levèrent subitement tous les deux. Elle jeta un coup d'œil au réveil matin bon marché qui trônait sur l'unique étagère. Les aiguilles indiquaient 5h30. Les autres ouvriers des usines de la ville venaient d'émerger du sommeil. Elle se couvrit les épaules d'un châle et se coiffa d'un chapeau miteux, aussi informe que défraîchi. « Faut se grouiller !» dit-elle en tournant la mèche de la lampe à pétrole et en soufflant dans le verre. Ils sortirent et descendirent à tâtons l'escalier obscur. Dehors, Johnny frissonna au contact de l'air froid et limpide. Les étoiles n'avaient pas encore commencé à s'estomper dans le ciel, et la ville tout entière était plongée dans le noir. Johnny et sa mère marchaient tous deux d'un pas traînant. Leurs jambes manquaient d'entrain et leurs pieds peinaient à décoller du pavé. Au bout d'un quart d'heure, la mère de Johnny tourna à droite, le laissant continuer tout droit. « Te mets pas en retard !» lui recommanda-t-elle avant de disparaître dans la nuit. Il ne répondit pas et poursuivit son chemin d'un pas régulier. Dans le quartier des usines, partout s'ouvraient des portes, et Johnny ne fut bientôt plus qu'une infime partie de la foule qui se pressait dans l'obscurité. Au moment où il franchit la porte de l'usine, un nouveau coup de sifflet retentit. Il jeta un regard vers l'est. Une pâle lumière commençait à poindre au-dessus de la ligne dentelée des toits. Ce fut tout ce qu'il vit du jour avant de rejoindre son équipe. Il prit sa place devant l'une des longues rangées de machines. Face à lui, au-dessus d'une caisse remplie de petites bobines, de grandes bobines tournaient rapidement. Sa tâche consistait à y enrouler le jute des petites. Le travail était simple, il ne demandait que de la célérité. La fibre se débobinait si vite et il y avait tant de grosses bobines qu'aucun temps mort ne ponctuait son incessante activité. Il travaillait comme une machine. Quand une petite bobine était vide, il se servait de sa main gauche pour freiner la rotation de la grande correspondante, pinçant entre le pouce et l'index l'extrémité de la fibre qui pendillait. Tandis que de la main droite, il saisissait le bout libre de la fibre d'une autre petite bobine. Ses gestes synchronisés étaient accomplis rapidement d'une main sûre. Puis, en un clin d'œil, il nouait ensemble les deux bouts de fibre et relâchait la bobine. Ce nœud tisserand n'était pas difficile à exécuter. Johnny s'était vanté, un jour, de pouvoir le faire en dormant. Et d'ailleurs, cela lui arrivait parfois, quand il exécutait en une seule nuit, dans ses rêves, une succession infinie de nœuds tisserands, tous identiques. Certains des autres garçons lambinaient, perdant du temps et gaspillant l'énergie des machines en ne remplaçant que les petites bobines dès qu'elles étaient vides.
Mais il y avait un contremaître pour veiller au grain. Il prit le voisin de Johnny en flagrant délit de négligence et lui flanqua d'emblée une torgnole. « Prends exemple sur Johnny, hein ? Pourquoi tu bosses pas comme lui ?» vociféra le contremaître furieux. Les bobines de Johnny tournaient en effet à pleine allure, mais ce compliment indirect le laissa indifférent. Autrefois, il s'en serait senti flatté, mais c'était il y a longtemps, très longtemps. Son visage apathique demeura impassible lorsqu'il entendit le chef l'ériger en modèle. Il était un travailleur exemplaire et il le savait. On le lui avait tant dit et répété. C'était devenu une banalité qui ne signifiait plus rien pour lui. De travailleur modèle, il s'était mué en mécanisme parfait. Quand une panne survenait sur sa machine, c'était toujours dû à de la fibre défectueuse. À l'instar d'une machine parfaitement opérationnelle, Johnny ne pouvait commettre la moindre erreur. Et cela n'avait rien d'étonnant. Il avait depuis toujours été au contact intime des machines, conditionné et éduqué par l'incessant mouvement de leur rouage. 12 ans auparavant, il y avait eu un peu d'excitation dans ce même atelier de tissage. La mère de Johnny s'y était évanouie. Ses collègues l'avaient allongé à même le sol. Parmi le métal hurlant des machines qui tournaient à plein rendement, le contremaître avait prêté son concours à l'accouchement. Et quelques minutes plus tard, une âme de plus peuplait l'atelier de tissage. C'était Johnny, accueilli en ce monde par le grondement implacable des machines, respirant avec son premier souffle l'air humide et tiède, infesté de particules de jute. Le jour de sa naissance, il avait longuement toussé pour en débarrasser ses poumons. Et sa toux n'avait jamais cessé depuis. Le garçon qui travaillait à côté de Johnny maugréait et reniflait au bord des larmes. Son visage était déformé par la haine qu'il vouait au contremaître, lequel l'observait à distance d'un œil menaçant. Mais toutes ses bobines tournaient sans relâche désormais. Les terribles jurons qu'il proférait étaient assourdis par le vacarme incessant de l'atelier comme un mur épais. Mais Johnny n'y prêtait aucune attention. Il acceptait la réalité. En outre, la répétition engendre la monotonie, et il avait déjà assisté tant de fois à des scènes de ce genre. Il lui semblait aussi vain de s'opposer au contremaître que de défier la volonté des reins d'une machine. Les machines étaient faites pour accomplir certaines tâches, et il en allait de même du contremaître. Il y eut parfois un peu de remue-ménage dans l'atelier, sous les coups de 11 heures. Mystérieusement, l'excitation s'y répandit en un instant. Le garçon unijambiste qui travaillait à côté de Johnny sautilla en hâte jusqu'à un chariot à caisson vide. Il s'y jeta lestement avec sa béquille et y resta caché. Le directeur de l'usine survint, alors accompagné d'un jeune homme. Alors celui-ci était bien habillé et portait une chemise à mi-donnée. Un monsieur, donc, selon la classification que Johnny se faisait des hommes. Or, ce monsieur était aussi le redoutable inspecteur. Il jeta en passant des regards sévères au garçon, s'arrêta parfois pour poser une question. Chaque fois, le bruit des machines l'obligeait à crier à plein poumon, ce qui déformait grotesquement son visage. Son œil de lynx ne marqua pas de remarquer la machine sans ouvrier, mais il ne dit rien. Johnny attira lui aussi l'attention de l'inspecteur, qui s'arrêta devant lui. Il le prit par le bras, mais le lâcha aussitôt en poussant un cri de surprise. « Il est maigre, hein, celui-là » reconnut le directeur avec un rire nerveux. « Il est squelettique, oui !» rétorqua l'inspecteur. « Regardez-moi ses jambes. Ce garçon souffre de rachitisme. Il n'en est qu'au premier stade, certes, mais il en est atteint, c'est certain. S'il ne meurt pas d'épilepsie, il sera emporté par la tuberculose !» Johnny écouta les sombres prédictions de l'homme sans les comprendre. D'ailleurs, il ne s'intéressait pas à ses futures maladies. La menace que représentait l'inspecteur était plus grave et plus immédiate. « Mon garçon, je veux que tu me dises la vérité !» cria l'inspecteur dans l'oreille de Johnny. « Quel âge as-tu ?»« 14 ans !» mentit Johnny en s'époumonant lui aussi. Il avait proféré ce mensonge si haut et fort que cela déclencha une quinte de toux sèche qui agita les particules accumulées dans ses poumons tout au long de la matinée. « Il a l'air d'avoir 16 ans !» intervint le directeur. « Ou 60 !» répliqua sèchement l'inspecteur. « Il a toujours eu cet aspect !»« Depuis combien de temps ?» demanda
demanda l'inspecteur. « Ah, depuis des années, on dirait qu'il ne vieillit pas. Je dirais plutôt qu'il ne rajeunit pas. Je suppose qu'il a travaillé ici pendant toutes ces années. Par intermittence. Mais c'était avant la nouvelle loi, » s'empressa de préciser le directeur. « Cette machine tourne à vide ?» demanda l'inspecteur en désignant la machine à côté de celle de Johnny, sur laquelle des bobines partiellement remplies tournaient follement. Le directeur fit signe au contremaître de le rejoindre, puis lui cria dans l'oreille en lui montrant la machine du doigt. « Cette machine tourne à vide !» confirma-t-il à l'inspecteur. La visite se poursuit, et Johnny se remit à l'ouvrage, soulagé d'avoir échappé à la menace. Mais l'unijambiste n'eut pas cette chance. L'inspecteur, à l'œil perçant, le hissa à bout de bras hors de sa cachette. Ses lèvres tremblaient et son expression tout entière était celle d'un malheureux sur qui s'était abattu un désastre aussi terrible qu'irrémédiable. Le contremaître afficha un air ébahi, comme s'il posait les yeux sur ce garçon pour la première fois. Le visage du directeur exprimait surprise et mécontentement. « Je le connais, celui-là !» dit l'inspecteur. « Il a 12 ans. Je l'ai fait renvoyer de 3 usines en 1 an. Cela en fera une 4e. » Il se tourna vers l'unijambiste. « Tu m'avais donné ta parole d'honneur que tu irais à l'école, » lui reprocha-t-il. L'unijambiste éclata en larmes. « Je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, » balbutia-t-il. « 2 bébés viennent de mourir dans ma famille. On est dans la dèche. Hein? Pourquoi tu tousses comme ça ?» demanda l'inspecteur, comme s'il l'accusait d'un crime. Et tel un coupable qui nie l'évidence, le garçon répondit « C'est rien ça, j'ai attrapé un rhume la semaine dernière, monsieur l'inspecteur, voilà tout !» L'unijambiste finit par sortir de l'atelier avec l'inspecteur lui-même suivi du directeur, qui protestait de sa bonne foi d'une voix inquiète. Après cette interruption, la monotonie des tâches répétitives reprit ses droits dans l'atelier. La longue matinée et l'après-midi, plus long encore, s'écoulèrent jusqu'au coup de sifflet annonçant la fin de la journée de travail. L'obscurité régnait déjà au dehors lorsque Johnny sortit de l'usine. Entre-temps, le soleil avait illuminé le ciel et inondé le monde de sa douce chaleur. Puis il s'était couché, avait disparu à l'ouest, derrière la ligne irrégulière des toits de la ville. Le dîner était le repas familial de la journée, l'unique occasion quotidienne qu'avait Johnny de croiser ses frères cadets et ses petites sœurs. Pour lui, ces moments partagés tenaient davantage d'une rencontre fortuite que d'une réunion fraternelle, car il était très vieux, et ses frères et sœurs étaient encore d'une jeunesse désespérante. Ils n'avaient pas la patience de supporter leur juvénilité débridée et déconcertante. Ils ne la comprenaient pas. Sa propre enfance était un souvenir trop lointain. Il réagissait comme un vieillard irascible, agacé par leur turbulence et leur espièglerie, qui n'étaient à ses yeux que bêtises et futilités. Il leur lançait des regards irrités au-dessus de son assiette et ne se consolait qu'en songeant qu'eux aussi devraient bientôt se mettre à travailler. L'usine émousserait leur indocilité, elle les rendrait calmes et sérieux, comme lui. C'était ainsi que Johnny, comme tant d'êtres humains, faisait de sa propre existence la mesure de toute chose. Pendant le repas, sa mère rabâcha longuement et sur toutes les gammes qu'elle s'efforçait de faire de son mieux. Ce fut donc avec le plus grand soulagement que Johnny, une fois le maigre repas avalé, se leva de table. Il hésita un instant, fut tenté d'aller se coucher, mais décida plutôt de sortir quelques instants. Bon, il n'alla pas loin. Il s'assit sur le perron, épaules voûtées, coudes sur les genoux et mains sous le menton. Tandis qu'il restait prostré ainsi, il ne songeait plus à rien. Il se reposait, voilà tout. Son esprit était éteint. Ses frères et sœurs sortirent à leur tour et se mêlèrent à d'autres enfants avec lesquels ils se mirent à jouer bruyamment. Un réverbère électrique illuminait leurs ébats. Ah, ils savaient bien que Johnny était maussade et irritable, mais le goût de l'aventure leur insuffla l'audace de le taquiner. Ils se prirent par la main devant Johnny et dansèrent au rythme d'une comptine farfelue et peu flatteuse pour lui. Au début, il lâcha quelques injures rageuses, des insultes ordurières qu'il avait apprises de la bouche de différents contremaîtres. Mais cette réaction n'eut aucun effet, et il se mura dans un silence hautain. Le plus âgé de ses frères cadets, Will, qui venait d'avoir 10 ans, menait la farandole.
Johnny ne nourrissait guère d'affection à son égard. Aussi loin que remontait sa mémoire, sa vie avait été aigrie par tout ce qu'il avait été obligé de céder à Will, à ses caprices comme à ses appétits. Persuadé que Will lui était largement redevable, il le tenait pour un ingrat. Dans un passé aussi lointain que brumeux, Johnny avait dû renoncer à bien des jeux et amusements pour s'occuper de Will. Will n'était qu'un bambin à l'époque, et sa mère passait déjà toute la journée à l'usine. À Johnny avait été dévolu le rôle de père et de mère de substitution. Will semblait avoir profité de tout ce dont Johnny s'était privé pour lui. Il était bien bâti et plutôt robuste. Il était déjà aussi grand que son frère aîné, et même un peu plus lourd. On eût dit que la force vitale de Johnny avait été transfusée dans les veines de son frère. Il en allait de même pour le tempérament. Johnny était usé et résigné, dénué de toute résistance, alors que son frère semblait débordé d'énergie et d'exubérance. Le chant moqueur se fit plus bruyant. Will se pencha vers Johnny en lui tirant la langue. Du bras gauche, Johnny le saisit au cou et du droit lui frappa le nez. Son poing osseux était d'une maigreur pathétique, mais assez dur pour faire mal, comme en attesta le cri de douleur de Will. Les autres enfants poussèrent des hurlements affolés, tandis que la sœur de Johnny, Jenny, filait prévenir sa mère dans la maison. Johnny poussa brutalement Will et lui décocha de violents coups de pied dans les tibias. Puis il se jeta sur lui et le projeta la tête la première dans la boue. Il ne lâcha prise qu'après lui avoir rudement frotté le visage contre le sol fangeux à plusieurs reprises. C'est alors qu'intervint la mère, telle une tornade anémique de solitude et de colère maternelle. « Pourquoi il ne me fiche pas la paix ?» répliqua Johnny aux réprimandes de sa génitrice. « Il ne voit pas que je suis crevé ?»« Je suis aussi costaud que toi !» dit Will, d'une voix furieuse dans les bras de sa mère. « Et bientôt, je serai plus costaud que toi et je te flanquerai une raclée, tu verras. »« Tu devras bosser puisque tu es si costaud !» riposta Johnny d'un ton hargneux. « C'est ça qu'il te faudrait, aller à l'usine. Hein, c'est à ta maman de t'y envoyer. »« Mais il est trop petit, » protesta-t-elle. « C'est qu'un môme. J'étais plus petit que lui quand j'ai commencé à travailler. » Johnny garda la bouche ouverte, prête à exprimer le ressentiment que lui causait cette injustice. Mais sa mâchoire se referma subitement en claquant. L'air sombre, il rentra dans la maison d'un pas rapide et alla tout droit au lit. La porte de la chambre était restée ouverte pour y laisser entrer la chaleur de la cuisine. En se déshabillant dans la pénombre, il entendit sa mère parler à une voisine venue lui rendre visite. Sa mère pleurait et ses propos étaient ponctués de reniflements. « Je piche pas hein, ce qui arrive à Johnny, » disait-elle. « Il n'était pas comme ça avant. C'était un ange de patience. » Et c'était toujours un brave garçon, s'empressa-t-elle d'ajouter pour la défense de son rejeton. Il a toujours bien travaillé. Mais c'est vrai qu'il a été mis au travail trop petit. Mais c'est pas de ma faute, hein. J'ai fait de mon mieux, moi. » Les reniflements redoublèrent dans la cuisine et en fermant les paupières, Johnny murmura pour lui seul. « Ouais, c'est ça, c'est sûr, j'ai toujours bien travaillé. » Le lendemain matin, il fut de nouveau arraché du sommeil par les bras de sa mère. Puis vinrent le maigre petit déjeuner, la marche dans le noir et les premières lueurs de l'aube au-dessus des toits, furtivement entrevues juste avant d'entrer dans l'usine. Une autre journée commençait, mais toutes étaient semblables. De temps à autre, il survenait pourtant certaines variations de son existence, lorsqu'il changeait d'emploi ou lorsqu'il tombait malade. Quand il avait 6 ans, il tenait lieu de père et de mère à Will et aux autres enfants en bas âge de la maisonnée. À l'âge de 7 ans, il entrait à l'usine pour y enrouler des bobines. À 8, il était embauché dans une autre usine. Son nouvel emploi était d'une simplicité merveilleuse. Assis sur une chaise, il n'avait qu'à guider, à l'aide d'un petit bâton, le flot d'étoffe que déversaient les métiers à tisser. L'étoffe passait ensuite sur un rouleau chaud avant de poursuivre son chemin ailleurs dans l'usine. Privé de la lumière du jour et rivé sur sa chaise sous un brûleur à gaz flamboyant, Johnny était devenu lui-même un rouage de la machine. Malgré la chaleur humide et poisseuse, il aimait beaucoup ce travail car il était jeune et rêveur et nourrissait encore quelques illusions. Et il faisait de doux rêves en regardant l'étoffe fumante défiler continuellement. Mais ce travail ne demandait aucun effort au corps ni à l'esprit,
et ses rêves s'étaient rapidement faits plus rares, tandis que son cerveau sombrait dans la torpeur et la somnolence. Néanmoins, il gagnait 2 $ par semaine, et ces 2 $ faisaient toute la différence entre famine et malnutrition. Mais la rougeole le priva de cet emploi à l'âge de 9 ans. Après sa guérison, il fut embauché dans une verrerie industrielle. La paye était plus élevée car l'ouvrage demandait de l'adresse. Son salaire était à la pièce, et plus il était adroit, mieux il était payé. Tel était le ressort de sa motivation. Et cette motivation avait fait de lui un travailleur extrêmement productif. Le travail était simple. Il s'agissait d'attacher des bouchons de verre sur des flacons. Il portait à la taille une bobine de ficelle. Il plaçait chaque flacon entre ses genoux pour pouvoir se servir de ses 2 mains pour travailler. Mais il se tenait 10 heures par jour en position assise, sans cesse courbé sur son ouvrage. Et ses maigres épaules étaient voûtées et sa poitrine comprimée en permanence. Ce n'était certes pas bon pour ses poumons, mais enfin, il bouchonnait 3 600 bouteilles par jour. Le directeur était très fier de lui, au point d'inviter des visiteurs à le regarder travailler. En 10 heures, 3 600 bouteilles passaient entre ses mains. Cela signifiait qu'il avait atteint la perfection d'une machine. Il ne faisait jamais un geste inutile. Tous ceux qu'exécutaient ses bras chétifs, mais aussi les plus infimes muscles de ses doigts, étaient prompts et précis. La tension était telle qu'il en devint extrêmement nerveux. La nuit, ses muscles se convulsaient pendant son sommeil, et le jour, il était incapable de se détendre et de se reposer. Il était tout le temps tendu et crispé. Son teint était devenu cireux et sa toux, contractée à l'usine, empirait de jour en jour. Puis une pneumonie avait infecté ses poumons affaiblis, comprimé par un thorax atrophié, et il avait perdu son emploi à la verrerie. Depuis, il avait été réembauché à la fabrique de jute, là où il avait commencé sa carrière en enroulant des bobines. Mais il n'avait pas tardé à être promu, car c'était un bon travailleur. Il serait bientôt transféré à l'atelier d'amidonnage, puis plus tard à l'atelier de tissage. Après cela, il ne lui serait plus possible de s'élever dans la hiérarchie de l'usine, et il ne pourrait plus compter, pour améliorer ses revenus, que sur l'accroissement de sa productivité. Les machines tournaient plus vite que lors de sa première embauche, tandis que l'esprit de Johnny tournait plus lentement. Ce garçon, dont les premières années avaient été bercées de rêves et d'espoir, ne rêvassait plus un instant. Jadis, il était tombé amoureux. C'était à l'époque où il guidait l'étoffe vers le rouleau brûlant. Et c'était de la fille du directeur qu'il s'était épris. Elle était bien plus âgée que lui, c'était déjà une jeune femme, et il ne l'avait aperçue qu'une misérable demi-douzaine de fois, et de loin. Mais cela ne changeait rien à sa passion. À la surface du flot d'étoffe qui se déversait sous ses yeux, il voyait se dessiner un avenir radieux, où il accomplissait des prodiges au travail, inventait des machines miraculeuses, se hissait à la direction de l'usine et, à la fin, prenait la jeune fille dans ses bras et l'embrassait chastement sur le front. Mais ses rêveries appartenaient à un temps révolu où il n'était pas encore devenu trop vieux et trop épuisé pour aimer. En outre, la jeune fille s'était mariée et il ne l'avait plus jamais revue et son esprit avait sombré dans l'apathie. Et néanmoins, cette expérience avait été merveilleuse et il y repensait souvent, à la manière des adultes qui se souviennent du temps où ils croyaient aux fées. Alors Johnny n'avait jamais cru aux fées. Lui, ni au Père Noël. Mais il avait cru, sans l'ombre d'un doute, à l'avenir souriant que son imagination traçait sur l'étoffe fumante qui passait sous ses yeux. Il était devenu adulte très précocement. Son adolescence était venue dès l'âge de 7 ans, avec ses premiers salaires. Or, un vague sentiment d'indépendance était né en lui, et dès lors, ses rapports avec sa mère avaient peu à peu changé. Désormais salarié, lui aussi, et pourvoyeur de pain, il était devenu en quelque sorte son égal. L'âge d'homme était venu à Johnny à 11 ans, à l'époque où il avait travaillé en équipe de nuit pendant 6 mois. Nul ne peut travailler de nuit et rester un enfant. Fin de cette première partie de l'apostat. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et fin de cette nouvelle extraordinaire de Jack London. À bientôt sur Lecture en Crousse.